s'il vous plaît? Oui. Et bonjour tout le monde, et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je déteste ce putain de bras de fer. J'ai baissé un peu le son du jeu, parce que ça c'est un peu fort, j'ai pas fait les essais de son du tout, on verra bien. C'est... Moi, tu peux rien changer, c'est ça qui est dégueulasse. Et en plus, il faut payer si tu veux recommencer après, c'est ça qui est encore plus dégueulasse. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, tournoi Magic, tu payes peut-être un droit d'accès selon les tournois, ça peut être 4€, comme ça peut être 25€ pour une avant-première, mais l'avant-première tu payes 6 boosters, donc bon, on s'en fout. Et le truc qui est bien au Magic, c'est que quand tu fais une avant-première, tu as le droit de faire un deck plus une réserve. Quand tu fais n'importe quel tournoi, t'as un deck plus une réserve. Là, t'as un deck. T'as un deck et tu te démerdes. T'as pas le droit de changer un truc. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Y'a rien à dire, c'est juste chiant. Moi, je vais pas dire du bien de ce deck. Parce que je n'ai pas l'intérêt de dire du bien de ce deck. Enfin, de ce mode de jeu. J'en ai pas, y'a rien qui vient. Bah heureux, c'est vite dit. J'aurais peut-être dû faire aussi un autre deck, je sais que j'ai fait de la merde quand j'ai fait ce deck. Mais bon, sur le principe, j'aime pas ce bras de fer. Tu veux tester un nouveau principe de deck, tu te fais défoncer, et tu peux pas recommencer. Un truc à 3. Voyons. Ouais. Hein? D'où il a pu jouer ça? Non, j'ai pas compris là. Ouais, bah, je joue ça. Donc, prochain tour, les deux dragonnets, et qu'est-ce que je peux tenter pour toi? Ouais. Mais qu'est-ce que... Pète couille. Il va me faire la même, hein. Il me fait la même, hein. Gros coup de chat. Bon, c'est très bien. Ah ben voilà, mais ça s'est gagné après. Le défenseur d'Arcas au milieu des deux. Donc elle passe à 2-2, lui il passe à 3. Avec le supplémentaire, je lui fais 2 plus 2. Donc je peux taper avec les deux, donc c'est bon. Donc là ça me fait plus 4 plus 4 plus 8 sur lui. Et plus 9. Beaucoup trop quoi. Donc on va essayer ça. Ça. Ça, tape d'abord avec ça, au cas où. Et merde. Dommage. Bon, mais j'ai un deck chasseur secret en face, ça va pas être casse-couille. Hein? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ce truc? Ouais bah tiens, hop. Allez voilà, donne-moi ça déjà. Très bien. On va faire du dégât, on se démerdera après. On verra bien. 300 pour 6, après je retanque les deux, je joue le bafouilleur et le basilic. Ah, il contient pas de serviteur. Allez, voilà, cadeau. Ok, c'est un putain de deck qui contient pas de serviteur. Eh, super. J'ai pas moyen de m'en débarrasser pour l'instant. Pas intéressant. Là, par contre, ça deviendra intéressant de booster le machin avec plus en plus de... Plus en plus de, 3 fois, donc ce qui fait plus 3, plus 6, donc ça ferait une... Connard. Ah, mais connard, putain. Bon, mais c'est perdu. Aucune chance de gagner. Je suis un... Ouais. Bon, ben... suicide, je peux me suicider. Je peux pas me suicider. Ah, trop dégoûté. Allez, tiens, cadeau. Allez, c'est cadeau. Tiens, c'est cadeau. Allez, bien joué. C'est cadeau, je peux rien faire.
Voilà, ce petit cadeau. De toute façon, sincèrement, j'ai foiré la construction de mon deck. Moi. Je m'en doutais, j'ai fait ça à 1h du mat. Ça pouvait pas être bon. Clairement, ça pouvait pas être bon. En fait, pour faire un deck, sincèrement, ça je vous le conseille. Si vous l'avez vu, résultat désastreux chez moi. C'est faut le faire dans de bonnes conditions. Ouais, félicitations, tu n'as rien gagné. Un booster, 25. Ouais. Comme si ça m'intéressait. Et donc là, ben je vous remontre, mais il faut payer pour ce bras de fer de merde. Voilà. J'ai compris. Voilà, 1,99€ et sur téléphone ou tablette, c'est 2,99€. Voilà, donc c'est... En plus, les prix sont pas les mêmes. Donc si vous voulez repayer pour le bras de fer, payez par un ordi, sincèrement. Chaque fois que vous piochez une bête, elle lui donne plus de plus de... Oh, pas mal, intéressant. Faudra que j'améliore mon deck bête. Donc, bah les gens, je vous dis des bisous, à la prochaine et abonnez-vous. C'était Revan 11000. Allez, bye bye. Et toc, remonte ton slibard, Lothar.